What? C'est quoi ce mineshaft? Il triche? C'est quoi ça? Aujourd'hui, vidéo légendaire. Lui, c'est Brice. Et il connaît pas trop Minecraft. Le truc, c'est qu'il est tellement pas doué qu'il pourrait penser que ça, c'est totalement normal. Oh tiens, une maison en or, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Donc aujourd'hui, je lui ai dit que le premier qui arriverait à tuer l'Ender Dragon aura gagné. Sauf que, bien sûr, bah vous avez compris, moi je vais faire apparaître des structures qui sont vraiment pas normales. Dedans, il y aura des monstres personnalisés et même des super items. Bon, j'espère qu'il va pas cramer. Ok, Brice, est-ce que t'es chaud? Ouais, je suis chaud, frérot. En vrai, je vais t'aider aujourd'hui. Genre, si vraiment tu galères, je vais peut-être pouvoir t'aider et te montrer un petit peu moi ce que j'ai trouvé. Donc, t'inquiète pas. C'est la dernière ligne droite avant les 500 000 abonnés. Donc, ouais, là, toi, dans le fond, tu vas vite t'abonner. Vous devriez tous faire comme lui. Alors, attendez, d'abord, on va vérifier dans ce village auquel lui, il est pas abonné. Lui non plus, regardez juste là, il est pas abonné. Paf, 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 paf. Oh, mais attendez, c'est quoi juste là? Attendez, oh, lui, il est abonné. Comme par hasard, sa maison, elle est en diamant et en or. Moi, je dis, c'est pas un hasard. Regardez ce qui arrive à ceux qui sont pas abonnés. Et voilà. Alors que ceux qui sont abonnés, ils vont super bien. Allez, vite, vite, abonne-toi, on est bientôt 500 000. Bon, parce que Brice, il sait pas, c'est que je vais pouvoir tricher. Ah non, mais je me suis dit, en ce moment, il y a tout le monde qui triche en build battle en faisant apparaître des grosses structures. Mais bon, du coup, cette petite façon de tricher, est-ce que ça pourrait pas plutôt m'aider là en Minecraft normal? Donc là, on va commencer tranquillement en cassant des arbres. Hop, 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 hop. Ok, bon, les gars, je vais pas vous mentir, les gars. Je suis nul à Minecraft, ok? Je suis vraiment pas bon du tout. Oh là-bas, il y a un village là-bas, regardez. Bon bah niveau stuff pour l'instant ça va, en vrai j'ai un peu la base. Mais c'est pas ce qui va nous intéresser. Oh, j'aimerais trop pouvoir trouver un village. J'espère que Brice a trouvé un village. Là il y a plein de cochons, donc ça c'est plutôt cool. Je vais racketter les villageois. Par contre ça fait trop plaisir ça. Et en vrai par contre si vraiment il a trouvé un village avant moi, bah du coup je vais mourir. Hop là. Mais ouais là vraiment je marche dans la forêt, il y a rien, il y a aucun village. Du coup on va pouvoir tricher grâce à cette petite baguette magique. Et attention, paf, voilà, si vous regardez juste là, si là je recherche village. Oh bah dis donc, qu'est-ce qu'on a juste ici? Et du coup, regardez juste là, du coup, on a une schématique d'un village. Donc, vraiment, regardez, genre, vraiment, il n'y a rien et tout. Genre, je peux traverser les blocs. Mais en fait, grâce à ma baguette magique, si jamais j'appuie sur ce bouton-là, paf! C'est bon, ça fait apparaître un village instantanément! Directement, on a du blé. Attends, mais c'est quoi ce village, mec? What? Ok, là-bas, qu'est-ce qu'on a? On a une ruche. Regardez, il y a tout dans ce village. Genre, là, on a une maison et tout. Regardez, même des blocs d'émeraude par terre. Ici, là, il y a 1 milliard de lits, là, comme ça, pour aller tuer le dragon et tout. Ça va être génial! Je vais casser. Oui, je vais essayer de rentrer. Ah! Ok, là, c'est bon, je rentre. Et il n'y a pas de coffre. Hey, Brice, t'as trouvé un village, toi, ou pas? De ton côté. Ouais, je viens de trouver un village là. Ah bah moi aussi je viens d'en trouver un, il est très cool. Ah ouais, il a trouvé un village. Ah ouais, aussi dans mon village moi j'ai mis plein de golems, comme ça bah vraiment si on veut des golems bah on en a. Ah mais du coup en fait ça veut dire que genre la Brise vraiment genre il est au même niveau que moi en fait. Là moi je suis en train de tricher et tout, et en fait lui aussi il a un village. Mais bon, dans mon village, comme vous avez remarqué déjà, là, j'ai ouvert un coffre où il y avait carrément une hache. Et bah ouais, ce que j'ai vraiment caché plein de petits trucs, genre là par exemple, genre là on a carrément une houe en diamant. Là je prends full ça, je vais avoir du pain à l'infini, frérot. Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui je mangerai vegan, je ne vous tuerai pas. Parce que ouais, dans un village normal, il y a un petit peu de pain, mais il y en a pas autant. Et ici, on triche. J'allais pas faire apparaître un village normal. J'ai fait apparaître un village vraiment hyper bien. Vraiment, ça va être trop bien. Oh, j'ai même trouvé un petit miaou. Il est là-bas, le petit miaou. Il est parti. Hop, on va se faire des petites baguettes juste là. Et juste là, dans le village que j'ai fait apparaître, regardez, on a une espèce d'église un peu spéciale. Genre, il y a des blocs noirs et tout. Regarde, il y a même une porte en fer avec un bouton pour rentrer. Ah ouais. Et du coup, juste là, j'ai pu cacher des potions de force de. Oh là là. Les gars, faut vraiment que je fasse attention parce que la nuit est en train de tomber. Là, je vais pouvoir commencer à creuser et à me faire une petite pioche en pierre. Ok, donc Brice de son côté elle est en train d'avoir de la pierre, ok. Et donc là en haut par contre du coup j'ai rien caché, donc c'est un petit peu dommage. Du coup on va pouvoir redescendre juste là, là comme ça là, et paf, clutch inattendu. On va tranquillement tuer les golems là, vraiment venez là, là les petits golems là, histoire d'avoir un petit peu de fer. Non s'il vous plaît, voilà, me tuez pas. Et en vrai par contre vous allez voir les structures que j'ai préparées après, vraiment elles sont géniales. Genre là pour l'instant et tout c'est juste un village, du coup genre il est un petit peu OP mais il est pas forcément foufou. Mais après par contre on va vraiment des trucs genre vraiment ce sera genre plein de netherite et tout, vraiment ça n'aura aucun sens. Mais je vous ai pas tout montré dans le village. Là du coup dans la maison du bûcheron il y avait des bâtons. J'ai aussi mis dans le jardin du bûcheron aussi des petits arbres et tout, comme ça là vraiment si je veux du bois et tout je peux tout casser tranquillement. Ah ouais, si regardez vraiment la fontaine, genre vraiment c'est une fontaine qui va dans le ciel et tout, ça n'a aucun sens. Et là nous avons une librairie, du coup si vous regardez vraiment il y a carrément des blocs de fer dans le sol. Ah ouais c'est trop bien, il y a carrément des livres. Je vais moi aussi vite fait me faire une pioche parce que bah vraiment Brice il est en avance par rapport à moi là pour l'instant. Ok let's go, je vais pouvoir prendre du fer. Oh mon dieu, il y a un squelette, non casse toi Et maintenant on peut casser les blocs de fer et là je suis normalement en avance sur Brice, ça va être parfait. Ah ouais, il y a aussi juste là du coup dans le village, regardez, j'ai caché des petites épées, genre comme ça vraiment si j'ai besoin d'une épée et tout je peux en prendre une parce que juste là on a une épée en pierre et ça c'est en vrai ça c'est pratique, ça vraiment il me la faut. J'ai envie de savoir où il en est Brice. Hey, Brice, t'en es à où toi de ton côté là? Moi j'ai bien miné mon village et alors, tout, je suis tranquille. Moi j'ai fini de faire mon petit village, je suis déjà en train de creuser, d'essayer de prendre un petit peu des minerais. Bon bah Brice il avance bien j'ai l'impression. Je vais me faire vite fait une armure là pour pas mourir, voilà une petite armure en fer, mais vraiment j'ai plein de fer du coup grâce au village. Je pense que Brice il est jaloux. Ok, on va mettre le fer à fondre. Et en plus juste là du coup il y a un rune portal, ça peut toujours être super pratique. Oh bah attendez, juste là regardez, c'est un désert. Ouais c'est vraiment un vrai désert, d'accord. Mais bon du coup ce serait bien qu'il y ait un temple du désert dans ce désert. Hop là, baguette magique. Pira
pyramide. Et maintenant, regardez ma petite pyramide. C'est vraiment un temple du désert amélioré. Regardez, genre, t'as vraiment des blocs d'or et tout. Regardez, il y a tout, c'est trop bien. Je vais prendre de l'or, moi, mais oui, j'en prends plein. Il y a aussi des blocs de fer, ça peut toujours servir. Genre, pour faire des enclumes ou des trucs comme ça pour après. Je pense que ça peut être très très cool. Bon, alors maintenant, la question, c'est si je rentre dans la pyramide, qu'est-ce qui va se passer? Ok, je rentre comme ça. Oh, ok, voilà. J'ai envie de savoir, Brice, où il en est. Hé, Brice, t'en as où? Moi, j'ai trouvé une nouvelle structure là encore. Alors, moi, là, je suis en train de faire ma petite armure. Je viens de le terminer. Ok, ouais, moi, j'ai trouvé un temple du désert. Tu vois, c'est trop bien. Il y a plein de trucs et tout à l'intérieur. Bon, bah, j'ai l'impression qu'on est vraiment en avance par rapport à Brice. Mais bon, dans un vrai temps, vous savez qu'au milieu, là, il y a un truc et de la TNT. Du coup, si je mine, genre là, comme ça, là, si je regarde, ok, du coup, il y a de la lave. Donc, il n'y a pas de TNT et tout, mais il y a vraiment de la lave de partout. Et là, en fait, du coup, j'ai caché un piège. En fait, c'est si jamais Brice trouvait lui aussi le temple, et ben en fait, ce que lui sait pas, c'est que, genre, peut-être ici, du coup, je sais pas, mais genre, je crois que c'est là. Voilà, regardez juste là. En fait, c'est sous la lave, là, comme ça, regardez, il y a un coffre qui a été caché. Et dans ce coffre là, regardez, et il y a surtout une super pioche. Ok, donc là, les gars, on a un portail du Nether, regardez. Oh, mais du coup, je peux vraiment miner, genre, tout comme ça, super vite. Là, regardez, ça mine trop vite. Mais bon, c'est pas tout. Regardez juste là aussi, il y a une espèce de pattern un petit peu spécial dans mon temple. Mais bon, du coup, si je mine là comme ça pour faire attention, ok, ah bah oui, non, mais c'est vraiment un petit peu. Ah ouais, non, mais d'accord, le piège. Regardez, c'est un coffre piégé. En fait, si j'allume le coffre, je pense que tout va exploser. Ok, des petites pommes en or et tout. On va toutes les prendre, ça peut toujours être pratique. Un petit peu des. Oh, même les TNT, ouais, ça peut être pratique aussi. On va les prendre là comme ça, voilà. Et en plus, du coup, grâce à ma pioche, je peux vraiment miner super rapidement. Regardez, vraiment, je mine super vite. Est-ce que vous aurez pas juste un de fer, s'il vous plaît, là? Hop, allez, j'en prends un. C'est ciao le squelette. Wouah, je viens de faire un plongeon, mon pote. Oh, attendez, attendez, il y a Brice qui est juste là, ok. J'ai allé le voir pour lui montrer un petit peu mon stuff. Je pense qu'il va adorer mon super stuff. Oh, attends, Brice, je te vois, je crois que t'es pas loin. Ah ouais? Oh oui, je te vois. Ok, du coup, regarde, genre, j'ai trouvé une pioche et tout, du coup, dans le temple. Et j'ai aussi, genre, regarde, j'ai aussi des pommes d'or. En vrai, je vais t'en passer un peu. En vrai, j'ai envie de te donner du stuff pour t'aider. Mais oh, j'ai du diamant. Viens, je te donne du diamant en vrai. J'en ai trouvé 4. C'est gentil, ça. En gros, ma pioche que j'ai, genre, c'est une pioche qui mine tout vite. Genre, regarde, genre, comme ça là. Et tu vois, regarde, ça mine trop vite. Regarde, genre, là, je mine tout. Genre, là, je fais comme ça là. Y a plus rien. En vrai, viens, je te la donne. Genre, viens, on triche un peu, je te la donne. Bah, écoute, merci beaucoup, Multicore, hein. Ça fait plaisir, hein. Ok, c'est bon, j'ai laissé Brice, du coup, par là-bas. Eh, mais du coup, je sais même pas s'il a cramé vraiment cette pioche. Vraiment, c'était un truc pas normal. Je pense qu'il a dû se dire que j'avais juste eu beaucoup de chance. Il a trouvé ça dans un temple, sauf que moi, j'ai pas trouvé de structure encore. Oh, bah, attendez, qu'est-ce qu'on a juste là? Regardez juste là. Je pense que vous voyez pas parce que c'est bugué. Non, attends, attends, au montage, rajoute. Oh, regardez, regardez, il y a une maison de la sorcière. Waouh, trop bien. C'est totalement une vraie maison que je vais pas faire apparaître grâce à ma petite baguette magique. On va la faire apparaître, du coup, un petit peu plus en bas, juste là, genre là, comme ça, voilà. Et maintenant, attention, magie et pouf, voilà, du coup, elle vient d'apparaître vraiment devant moi. J'espère vraiment que Brice va pas la voir parce que là, vraiment, genre, regardez la taille de la maison. S'il la voit 100%, il va penser que c'est pas normal. Bon, bah, c'est parti, du coup, pour rentrer à l'intérieur. Paf, ok. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Gardien de la sorcière, mais c'est quoi? Attends, ils font mal ou pas s'ils me tapent? Ils font super mal s'ils tapent. Oh, c'est un village? Attends, mais c'est quoi ça? Une maison toute seule là-bas? Un énorme village, yes! Hop, ils sont où? Ok, ils sont là, toi, tu arrêtes. Il a tapé à travers le bouclier, il a cassé le bouclier. Mais attendez, mais quoi? Mais attendez, mais quoi? Ok, je vais casser la porte pour essayer de les tuer, du coup, si je les tue comme ça là. Voilà, ok. Ok, heureusement que j'ai les pommes d'or par contre, parce que là, vraiment, ça fait mal. Des petits trucs de carottes, en vrai, pourquoi pas? Je vais essayer de tout piller, les amis. Petit coffre, pomme, ok, encore du pain, pas mal. Bon, les gars, il fait nuit, faut vraiment que je fasse attention. Oh, c'est quoi? Oh, c'est une maison! Il y a multicorps dedans, attendez. Regardez, là, j'ai trouvé une super potion! Pour ceux qui savent pas, une vraie maison de sorcière, ça ressemble à ça. Genre, c'est vraiment nul. Paf, s'il te plaît, meurs. Voilà, non, aïe, ça fait mal, ok. On a une super épée! Ah, oh, multi! Oui, oui, aïe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Aïe. Qu'est-ce qui se passe? Je me fais attaquer, je suis devant la maison où t'es. Oh, t'as trouvé la maison aussi? Ouais, t'as vu, j'ai trouvé une maison de sorcière, c'est trop bien. Oh, t'as trop de chance, tu as trouvé en premier. Regarde, genre, j'ai pas encore pris de coffre, mais regarde, je peux la garder en vrai. Tu la veux? Je te la laisse, t'inquiète. Regarde ce que j'ai dans la main. C'est quoi? Genre, c'est une potion de sorcière, je sais, genre, elle donne genre plein d'effets bizarres. Genre, j'ai pas envie de la boire parce que. Vas-y, moi je la prends, mais... si tu veux. Moi je la prends, non, moi je la garde, je la garde, je la garde, t'es fou. Mais non, moi j'ai rien trouvé, j'ai trouvé un village, mais il y avait rien dedans. Ah ouais, c'était vraiment des trucs nuls, toi, ok, bon. Alors bah, ok, moi du coup, je me pars de mon côté. Me suis pas parce que je suis sûr que si tu me suis, genre, tu vas voler tout mon stuff. Vas-y, je pars à droite là-bas alors. Elle sait vraiment pas, par contre, si Brice trouve ça bizarre, vraiment, genre, qu'il y a des structures de fou. Mais là, du coup, je vais pouvoir tricher grâce à une nouvelle structure là qu'il a pas trouvé. Les gars, j'en ai trouvé un truc énorme. Il y a un zombie. Attends, on va tester l'épée. Personne ne peut m'attaquer. Oh! Oh non, il est mort. Normalement, c'est pas grave, s'il meurt, parce qu'il va pouvoir du coup garder tout son stuff, donc ça devrait être bon. Mais moi, ça tombe bien parce que j'ai trouvé une petite cave juste là. Ok, les amis, je suis revenu. Et... oh, attends, c'est quoi ça? Oh, let's go. Touk, touk, touk. Mais en vrai, vous savez, là, dans les caves, il y a souvent des structures. Vous savez, c'est genre un petit peu des spawners. Là, vous savez, les petits spawners à zombies comme ça, là, super stylé, avec genre des spawners, avec des coffres et tout. Tout ça, ça peut être super pratique pour trouver des trucs. Sauf que, bien sûr, moi, je vais pouvoir tricher grâce à ma petite baguette magique. Nul. Go. Ok, facile. Dégage. Le petit spawner à zombies qu'on va trouver, il sera pas normal. Et attention maintenant.
paf. Et du coup maintenant juste là, donc il y a du coup un espèce de donjon là, genre un espèce vraiment de ce truc avec des zombies et tout. Mais si vous regardez bien, oh regardez, zombies trop fort, c'est vraiment des zombies spéciaux. Regardez qui sont là, regardez, il y a vraiment des zombies et tout. Oh ok, bah, déjà faut que je casse les spawners. Il y a quelques zombies, mais en vrai ils font des dégâts ou pas, genre s'ils me frappent et tout, ça fait des dégâts ou pas. Ok, ça fait des dégâts, faut que j'arrive vraiment à les tuer là. Sombrement, en plus Brice il m'a volé l'épée, du coup je vais pas pouvoir les tuer grâce à mon épée. Moi mon petit spawner à zombie, il est pas mal en vrai. Voilà, là on a tout ça. Oh, oh un petit peu de trucs. Oh protection 4, ok c'est pas mal ça. Oh Brice, j'ai trouvé un truc de fou là moi personnellement. Ah, t'as trouvé quoi? J'ai trouvé un truc, tu sais, avec les spawners à zombies là où genre t'as des zombies qui spawnent et tout. Mais moi aussi j'ai en trouvé un. Mais y a rien dedans, j'avais rien. Moi y a plein de trucs, j'ai pas fini de visiter. En vrai, viens on triche un peu, genre viens je te téléporte juste pour te montrer ce que j'ai trouvé. Oh. Genre y a des coffres et tout. Genre regarde dans les coffres ce qu'il y a. What? Y a un truc à l'étage. Comment t'as trouvé ça? Vas-y. Mais je sais pas, j'étais dans les caves là. J'étais pas loin de toi parce que vraiment j'étais juste à côté. Ok, là, oh y a des trucs. Oh le coffre à l'étage, regarde. Oh là là. Regarde ce qu'il y a, genre t'as des diamants et tout. Oh, oh là là. Je me fais un truc en diamant protection 4. Oh j'ai un plastron protection 4. Je vais faire la même. Hein. Attends mais attends, en vrai passe-moi ton épée, je vais pouvoir t'aider grâce à ton épée. Je vais te la rendre après, t'inquiète. Enfin, voilà sharpness 2. J'ai dit là comme ça là. Et voilà, et bah du coup maintenant je te la vole et en échange je te donne une épée en fer. Quoi? En vrai ça me dérange pas frérot, ça me dérange pas. Bon en vrai maintenant qu'on a un petit peu. Regardez vraiment, genre, je suis full diams. Maintenant que j'ai un petit peu soft, je pense du coup je vais pouvoir tranquillement du coup remonter à la surface. Faut que je me sorte de ce bourbier. Oh, j'ai trouvé un mineshaft. Et je vais pouvoir du coup trouver un ruin portal. C'est un portail en ruine avec en fait souvent un petit peu de stuff à l'intérieur. Ok, nous voici à la surface et donc est-ce qu'il y aurait un portail en ruine quelque part? Ok, faut que je fasse gaffe. Est-ce que Brice est à côté? Normalement non, non vraiment normalement il est encore dans les caves et tout, ça devrait être bon. Petite baguette magique et c'est parti. Je trouve un mineshaft mais ça se trouve il est nul. Je m'en fous du lapis. Et regardez juste là, qu'est-ce qu'on a et tout. Oh là là. Et j'espère vraiment par contre que Brice il me voit pas. Je crois que c'est bon, j'ai même pas vu le faire apparaître. Ok. Bon en vrai c'est un petit peu suspect. Le portail est vraiment en train de voler au-dessus du vide. Je l'ai peut-être pas mis au meilleur endroit. Mais les gars quand même, vous trouvez pas que depuis tout à l'heure c'est bizarre? Je trouve qu'il y a beaucoup de structures. Enfin multicore trouve pas mal de choses. Et moi je suis en train de galérer. Si je le croise, je vais essayer de l'observer un petit peu pour voir. On va prendre un petit peu là vraiment tous les blocs d'or et tout. C'est trop. Et en plus il y a de l'obsidienne. Oh mais regardez en plus ici, là, regardez, c'est vraiment des anciens débris ce truc. Vraiment j'ai beaucoup de chance. J'ai pas eu tout triché, hein. Vraiment c'est vraiment le truc, il est apparu comme ça là devant moi. Vraiment c'est genre c'est fou et tout, la chance de fou que j'ai eu. Non mais attends, il est encore à côté d'une structure. Il est encore à côté d'une structure, mec, regardez-le. Il fait que trouver ça, des structures partout tout le temps. Et en vrai si Brice il me voit en train d'éliminer, je vais juste dire que c'est vraiment un truc normal et tout. Genre y a aucun problème, vraiment c'est normal. Il triche frère, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais multicore? Qu'est-ce que tu caches? Il est full diams mec. J'ai 31 blocs d'or, regardez. Voilà là comme ça, tranquillou, tranquillou. Oh Brice, oui. Tu fais un portail du Nether. Mais t'es bien toi dis donc hein, t'es oui, regarde ce que j'ai trouvé là, regarde, j'ai des anciens débris. Faut que je les fasse cuire ou pas? Et voilà, et regarde-moi ça. Tac. Ouais, genre y a rien de bizarre. Non, non, non. Okay. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Explique-moi, qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Non, mais y a rien du tout. Multicore, t'es trop fort. T'as pas 1 million de charbon ou pas? Viens, tu m'aides, viens, tu me donnes du charbon et en échange, je te donne la potion super OP. What? What? Je te fais mal en vrai ou pas? Oh, j'ai la nausée. Voilà, va dans le vide. Voilà, c'est ça, pars très loin maintenant, je vais dans le désert sans toi. Non, non, j'arrive. Je sais même pas si l'Amérique a quelque chose qui allait pas. Regardez, il est juste là. Mais bon, du coup, maintenant qu'on est dans le Nether, le but va être de trouver, si possible, une forteresse. Oh, les gars, je vais dégueuler. Oh mon dieu, c'est horrible. Les gars, je vous jure, moi, dans la vraie vie, ça m'affecte quand il y a la nausée sur Minecraft. Est-ce que je peux sauter là ou pas? Genre, si je saute là, est-ce que je meurs? On va tester. Genre, oh, je sens que je vais mourir. Ah, oh, j'ai un cœur. Oh, Bonjour, monsieur le Pigman. Est-ce que vous voulez quelque chose de particulier? Est-ce que vous voulez que je vous tape peut-être? Ouais, t'as dit oui. Ok, je vais pas le faire. Ok, donc là, les gars, mon objectif, c'est trouver de la Blaze Rod. Oh, ce serait trop bien vraiment qu'il y ait une forteresse. Oh, si seulement j'avais une baguette magique. Paf, voilà la forteresse. J'ai un seau, mais j'ai pas mis d'eau dedans. Oh, le gars, plus jamais tu me tires dessus, mon gars. Oh, qu'est-ce que je vois là-bas? C'est un temple. Il est juste là. Quoi? Et genre, je l'ai pas vu. J'espère vraiment que Brice a pas vu que j'ai vraiment fait apparaître une forteresse énorme devant lui. Normalement, ça devrait être bon. C'est vraiment une forteresse totalement normale. Genre, vraiment, je vois pas le problème. Il y a juste des blocs de diamants dans la forteresse, genre juste là. Mais bon, c'est normal. Ok, un coffre. Diamant, parfait. Fire résistance. Ok, ça régale. Regardez, la forteresse vraiment est tellement spéciale que même les mobs ils sont spéciaux. Regardez, qu'est-ce qu'il a lui là? Gardien du Nether, qui fait mal ou pas? Oh, il fait mal. Ok, il a fait très très mal. Il a fait genre 2 coeurs de dégâts. Il y a trop de monde. Non, je vais mourir. Ah, je vais mourir. Voilà, hop, hop. Ok, parfait. Ok, c'est bon, allez, Blaze. What? Bloc de diamant, mon gars. Comment ça se fait? Oh, ça, je dirais pas multicore par contre. Hein. What the fuck? C'est incroyable. Donc moi personnellement, j'ai trouvé les Blaze hein, juste là, vraiment de façon totalement legit. Je n'ai pas du tout fait apparaître la forteresse, vraiment pas. Alors moi personnellement, Brice, j'ai trouvé une forteresse et vraiment, je suis bien là. Je suis également dans une forteresse, multicore. Par contre, on en parle de tous les blocs de diamants là? Ouais, il y a des blocs de diamants dans ta forteresse. Ah ouais, bah je sais pas. À toi? Non, moi j'en ai pas trouvé, moi j'en vois pas. T'en as toi? Des blocs de... Comment ça, du diamant? J'en ai partout, frère. J'ai des blocs de diamants partout. Mais t'es fou. Ah ouais? Mais je suis juste à côté de toi, tu mens. Vraiment, vraiment pas quoi. Tu mens, multicore, depuis tout à l'heure. Je sais pas où t'es, moi je te vois pas, c'est quelqu'un qui me ressemble. Tu m'as mis des gardes de wither là. Et regarde, Brice, regarde ça, regarde. Tu vois ce que j'ai là dans la main, regarde. Et bah, hop là, dans le vide. Quoi? Vraiment. Quoi?
Mais ça va pas la tête, j'en ai besoin moi. Bon, je crois qu'il a cramé, que vraiment c'était pas normal la forteresse. Vous savez, les bastions, c'est des grands trucs comme ça qui peuvent être super pratiques. Et bah j'espère que je vais pouvoir en trouver un quand même, genre vraiment, parce que c'est trop énervant sinon de pas en trouver. Alors, est-ce qu'on aurait un bastion quelque part? Mais regardez, waouh, le bastion que j'ai trouvé, c'est trop bien, regardez. Maintenant avec la baguette magique et paf, voici donc, waouh, ça fait la game, voici donc un bastion géant. Eh les gars, Multicore, il est trop méchant avec moi là. Mais les gars, très sincèrement, vous pensez pas que Multicore il triche depuis tout à l'heure? J'ai deux blaze rods, nickel. Et donc maintenant le but, je pense, ce serait vraiment genre d'aller là comme ça, voilà, et un petit peu d'emprunter le stuff qui est à l'intérieur. Regardez vraiment, regardez, il y a vraiment genre des blocs de netherite. Là, si jamais Brice il voit mon truc, vraiment il va cramer. OK, par contre, c'est quoi là? Regardez, oh, brute immortel. Mais comment ça immortel? Alors, je peux pas la taper. Oh, je peux pas le taper. Regardez, genre là, il y a un cochon, je peux pas le taper. En plus, il me tape et tout, il fait mal. Ah, oh, il y a trop de cochons. Non, non. Multicore, il est mort de chute. Et en vrai c'est pas grave parce que je peux me faire un autre portail juste là. Oh non, mais en fait vraiment c'est cramé ma forteresse. Regardez, vraiment je l'ai fait apparaître juste là, j'avais même pas remarqué. Regardez juste là, il y a un vrai bastion, genre vraiment c'est un vrai truc. Moi je vais vite vraiment voler le stuff qu'il y a là, genre en vrai qu'est-ce que je pourrais voler? Je pense que je vais voler vraiment les blocs de netherite, ça peut être super sympa. Arrêtez de me taper. Aïe, non, arrête. Donc maintenant je peux tranquillement miner les blocs de netherite, voilà. Bon bah maintenant du coup le but ce serait de tranquillement rentrer du coup dans le monde normal grâce au portail qui est normalement vraiment juste à côté. Regardez, il est vraiment juste là. Alors je crois, si je m'abuse, que c'est au-dessus hein. C'est tellement pratique cette pioche, est incassable, vraiment la pioche elle casse tout instantanément. Mais bon, maintenant la question c'est comment trouver les Enderman. Oh, si seulement il y avait une structure qui pouvait apparaître devant moi, ce serait du coup trop trop bête. Une structure, vous avez pas les structures. OK, par contre du coup faut que je fasse attention parce que vraiment Brice vient de mourir, ce qui fait qu'il devrait pas être très très loin de moi. Et pouf. Ah ouais, regardez, elle est trop stylée. C'est une tour de pillager mais spéciale bien sûr. Du coup, est-ce qu'il y a des gens à l'intérieur ou OK, non, ça a l'air d'être bon. OK, non, c'est bon. OK. Multicore, je suis sûr qu'il triche frère. Ou alors il a des techniques de pro, j'en sais rien. Allez, je brûle. Les gars, attendez, regardez. Il est encore dans une structure. Mec, je vois qu'il y a encore. Mais attends, mais en plus, je l'ai vu faire spawn un truc là. Attends, mais il y avait pas avant. Ouah, je viens de trouver un truc là. Oh, mais t'es là. Attends, il y a plein de gens avec toi qui seront me tuer là. Je vais mais mourir. Attends, mais t'es toujours au bon, aux beaux endroits, toi. Mais oui, mais j'ai trouvé des structures de fou, moi. J'ai eu beaucoup de chance aujourd'hui. Hein. En plus, t'as vu tout ça, c'est vanilla hein, parce que vraiment, je t'ai vraiment demandé d'avoir aucun mode hein, pour venir. Je sais pas si t'as regardé. Ouais, mais... si, mais ouais, je sais. Multicore, t'as beaucoup de chance quand même là. Hein. Mais par contre, du coup, j'ai envie de voir les coffres, moi, parce que j'ai vu qu'il y avait des coffres. Oh, des underperles. Des underperles. J'ai des underperles, c'est bon. J'ai des underperles. Quoi? Bon, tu sais quoi? Je te donne tous mes underperles. Oh, c'est trop sympa. Je te donne l'épée en échange. Et peut-être parce que si, il avait peut-être aussi une épée en netherite. Mais quoi? Zut, je crois qu'il commence à cramer quelque chose qui va pas. Je vais partir très très loin, il est en train de me suivre. Je m'en fous, je vais le suivre. Je vais le suivre et je vais l'observer. On va voir s'il triche. Je suis sûr qu'il triche, les gars. Y'a pas un océan quelque part là qu'on cherche un monument spécial océan et tout? On prend la baguette magique. Il est là-bas. Il vient dans l'eau là. Il est là-bas, regardez. Et voici donc le giga temple sous-marin qu'on va pouvoir faire apparaître vraiment en un seul clic. Par contre, je vais mourir. Non, meurs pas. Et attention, paf, voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Et les gars, il est trop bizarre. Regardez-le comment il bouge. Oh, il a fait spawn une structure. Il y avait pas la structure. Il a fait spawn la structure, les gars. Mais il y avait pas la structure, vous vous rappelez quand on l'a vu? Oh, regardez, par contre, il y a des gardiens et tout là. Regardez, il y a ces trucs là, l'espèce de poisson géant. Non, comment je fais? Je vais mourir là, il y a trop de trucs et tout. Il y a plein de gardiens qui vont m'attaquer. Oh non, Brice, il l'a vu. Mais oui, non, il l'a vu. En vrai, j'ai juste eu beaucoup de chance. Oh, attends. Je te vois depuis tout à l'heure, il était pas là avant le temple. Bien sûr que si, il était là. J'ai vu de l'eau, je suis allé dedans, il y avait le truc. Mais c'est pas possible. Ah, ça je le prends. Mais t'étais vraiment rentré dedans et tout sans mourir. Oui. T'étais pas censé avoir accès, je veux dire, je suis pas censé. Enfin, toi, t'es. Non, mais genre. Comment ça, Multicore? J'avais trouvé avant toi, d'accord? Non, mais Multicore, il y a un problème là. Oh, le trident! Rends-moi le trident! Mais non. Comment ça? Non, c'est bon, heureusement que tu sais pas ce qu'il y a juste là. Comment ça? C'est bon. Ok, t'as eu le trident, mais je vais avoir autre chose. Là, c'est bon, j'ai les bottes. Mais tu triches, c'est pas possible! Je triche pas, comment ça tricher? Oh, c'est trop bien le trident! Viens, tu me le rends et en échange, je te donne une épée en netherite. Non, je garde! Bon, en vrai, ça va, en vrai, j'ai une chance. Mais en vrai, maintenant, faut quand même trouver le stronghold. Ouais, faut trouver le stronghold. Ouais. Oh, mais plus du coup, je peux nager plus vite que toi, parce qu'en fait, grâce à mes bottes, en fait, je peux courir super vite. J'ai le trident, oublie pas. Ouah, c'est... Attends, quoi, il s'est passé quoi? Merde. Mais quoi? Reviens. Ok, c'est bon, du coup j'ai pu me muter. Donc normalement Brice du coup il va devoir essayer de me suivre. Mais normalement c'est bon. Si je descends vraiment tout en bas là comme ça, vraiment hop. Maintenant la petite baguette magique. Tronc gold juste là, paf. Et hop, apparaître. Paf, voilà. Les gars, c'est sûr à 300%. Multicore, il triche. Il est où? Attendez, vite, faut que je le trouve. Il est parti par où? Voilà, du coup on a pu faire apparaître le strong gold juste là. Ouais, du coup vraiment on apparaît directement à l'intérieur. Regardez vraiment, genre il est là. Donc là on ouvre tranquillement les portes. Regardez par contre là du coup il y a des Enderman spéciaux qui s'appellent abonnez-vous. Qu'est-ce qu'il s'appelle vraiment abonnez-vous à Multicore? Et ben il a raison, il va falloir s'abonner à Multicore. Mais par contre du coup arrêtez de me tuer là. Aïe, arrêtez. Multicore, qu'est-ce qu'il fait là? What? Arrêtez, mais en plus du coup j'ai pas mon trident. What? C'est quoi ce mineshaft? Il triche? C'est quoi ça? Eh toi aussi là, meurs, voilà, mourez tous, voilà, vraiment mourez. Voilà, on va vraiment tuer tous les Enderman pour être sûr. Oh il est là, qu'est-ce qu'il fait là Brice? Non, il a trouvé le stronghold. Il a fait spawn le mineshaft, regardez. Ça n'a aucun sens. Il a trouvé le stronghold, zut, par contre c'était pas prévu ça. Dégage. Je suis désolé, Multicore est en train de tricher les gars. Mais en fait le problème de ce stronghold c'est que vraiment c'est regardez, il y a vraiment genre un seul endroit en fait pour y aller, c'est que genre vraiment quand tu vas là en fait bah vraiment genre t'as qu'une seule porte. Mais du coup là j'ai caché quoi là? Je crois que j'avais caché des
petites perles juste là. Voilà, on va vraiment toutes les prendre. Parfait, voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Tu vas me le payer, multicorps. Il m'a pas vu. Et maintenant, non, c'est bon, non, Brice, il me suit. Non, 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 c'est bon, ok, je vais là, je vais là, je vais là. Ensuite, faut que j'aille par là. C'est bon, c'est juste là, c'est bon, il y a le portail. Il est trop bête, les gars, multicorps. En plus, il est trop aveugle, il m'a pas vu. Touk, touk, touk. Voilà, on a pu faire le bon. Non, il est juste là. Oh, il est juste là, Brice, mais non, non, c'est bon, j'y vais, c'est bon. Il est en train de poser les yeux. Il m'a pas vu. Non, reviens là. Non, il est juste là. Il est en train de me suivre, il est juste là. Ok, sauf que là, du coup, Brice, il va essayer de tuer le dragon. Et donc, moi, maman, si je pars comme ça, vraiment, okay, je vais vraiment partir me cacher. Vraiment, je vais partir très, très loin là, par là-bas. Tricheur, tricheur, tu ne gagneras pas. Hop, baguette magique, End City. Et hop, voilà, il vient d'apparaître devant moi. Il est où, les gars? Il est où, multicorps? Mais bien sûr, bah, elle est spéciale. Je regarde, il y a vraiment des blocs d'or et tout de partout. Mais pourquoi j'ai mis des blocs d'or? J'ai pas besoin de blocs d'or, moi. Il est où, multicorps? Ok, c'est bon, les gars, it's it, c'est obligé. Ok, frappez-moi les petits là. Voilà, frappez-moi que je monte un peu. Voilà, hop. Si je monte là comme ça, voilà un bateau du coup de l'End. Et ça, vraiment, ça c'est un truc super bien. Je sais pas où il est passé, multicorps, les gars, mais je vous le dis, c'est un gros tricheur. Plus jamais je fais une vidéo avec lui. Vous me voyez plus sur sa chaîne, je vous le dis, hein. Mais c'est là, dans ces petits coffres, regardez ce qu'on a juste là. Attendez, j'ai une idée. Je vais carrément faire apparaître une pyramide juste là. Et pouf, voilà une petite pyramide. Je pense que Brice vraiment n'a rien cramé parce qu'il y a vraiment rien de bizarre, quoi, en fait. Enfin, j'ai vraiment juste beaucoup de chance, hein, voilà. Attends, quoi? Ouais, il y a des pyramides. Tu savais pas qu'il y a des pyramides comme ça dans l'End? Comment ça? Mais tu connais pas Minecraft, en fait? Mais pas du tout. C'est pas, y a pas ça dans Minecraft. Non, mais c'est la pyramide de l'End. C'est la base, la pyramide de l'End. Y a pas la pyramide de l'End. Ça n'existe pas, multicorps. Mais c'est une pyramide avec des pommes d'or à l'intérieur. Ça mais bien, non, c'est une commande que t'as fait. Tricheur, tricheur. Non, je suis juste meilleur. T'es un tricheur. Tu me demandes de faire une survie avec toi et moi je galère et toi tu te fais spawn des trucs. Mais non, mais regarde, Brice, regarde. J'ai vraiment rien de bizarre. Genre, juste tu veux un village, bah y a un village. Quoi? Quoi enfin...